Bonjour à À todos. todos. Nous sommes. Pourquoi tu Quoi? Ah, bonjour Bonjour à à todos. todos. Nous sommes Isa et je. Isabelle Et Julien. et nous allons vous présenter notre vie, concrètement, comment tout a commencé, en passant de Dès le Tinder début. du début, donc Tinder en l'occurrence, jusqu'à YouTube, notre création de chaîne aujourd'hui. Donc, restez connectés, abonnez-vous, à tout de suite. Comme vous avez entendu, nous nous sommes. Nous sommes. Nous nous sommes rencontrés sur Tinder. Eh oui, nous sommes deux jeunes étudiants à l'époque. Non, C'était pas j'étais plus étudiant? étudiant. Non, Recommence, lui, recommence. il était en chômage et moi, j'étais étudiante. Voilà, nous ne savions pas quoi faire ce soir-là. Nous recherchions l'amour. Enfin, moi en tout cas, toi pas forcément. Et nous avons commencé à parler. Il se trouve que tu es. Colombienne, Que je j'ai suis breton. 28 ans, mais dans cette époque, j'avais 24. Ça fait 5 ans presque. Du coup, T'avais 23. j'avais 23 ans et je voulais juste chercher, regarder des applications et voilà. Mais moi, c'était pas dans le but de chercher quelqu'un. Mais toi aussi. Moi, je cherchais quelqu'un. Je cherchais quelque chose de sérieux. Tinder, j'avais déjà essayé avant et c'était pas, enfin, c'était plutôt déceptif. Je me suis dit, bon, voilà, je vais chercher, on sait jamais, on peut toujours trouver ce qu'on veut, tant qu'on sait clairement ce qu'on veut. Et en l'occurrence, c'était trouver l'amour. Donc, bah, on a commencé à parler. On a parlé à peu près 15 jours, non? On a Plus? parlé une Une quinzaine de quinzaine de jours jours. avant de se rencontrer, pour de vrai. Et après, on s'est donné un rendez-vous pour se voir à la Tour Eiffel. Le 29 juin 2015, Pour un pique-nique. pour un pique-nique au pied de la Tour Eiffel. Pour tout vous dire, on est allé au Monoprix acheter des choses. Au début, je voulais. Enfin, au début, non, je l'ai fait. Je t'ai laissé payer ta part. Chose à pas de tu faire. Ce qu'elle n'a pas apprécié du tout. Mais on a passé un très bon On a passé un moment, bon on moment. a fait un pique-nique et ce jour-là, Julien m'a embrassé. À partir de là, moi j'ai pas attendu, hein. J'avais passé un très bon moment, donc il fallait pas attendre. Je crois qu'il y a une règle, faut attendre 3 jours avant de réécrire à la fille ou une connerie comme ça. Moi j'ai écrit dans la seconde, je sais pas, tu venais d'être dans le métro que je t'avais déjà écrit. Et à partir de là, on a continué sur le même rythme d'écriture, à savoir tous les jours, plusieurs fois par Ouais, jour. et ça c'était un truc que j'ai détesté, de pas écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je sais pas pourquoi, Avec ça moi, me ça dérangeait passait. pas. Et moi, c'est vrai que je suis plus du genre à écrire tout le temps, donc bon, Moi c'est plutôt j'étais les appels, mais comment? ça se passait très bien entre nous. T'as rencontré vite mes parents. Assez vite, ouais. Et... On avait dû se voir 4-5 fois, peut-être, à Ouais. peine. Et un autre pique-nique, effectivement, j'ai rencontré tes parents, ta sœur, ton meilleur ami, qui d'ailleurs, du coup, sont témoins. Nous sommes mariés depuis Oui, 2018, le 14 avril. Et donc, bientôt on va fêter. bientôt, on va fêter les 2 ans. 2 ans de mariage, confinés, mais bon, on fait avec, tant qu'on est ensemble. Et donc, à partir de là, en fait, donc, on a commencé à vivre assez rapidement ensemble. Tout d'abord, dans mon studio, ensuite, on s'est trouvé un appartement, tous les deux, à Montrouge. Et dernièrement, en On août, est à Paris. en 2017, en fait, ça faisait un petit moment déjà que tu me disais, il faut qu'on ait un projet de couple, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, il faut qu'on crée. Et Et voilà, en il y a une 2017, idée de Julien. après, alors on y a pensé peut-être un peu avant, mais le temps de se lancer vraiment, en fait, après un week-end en À amoureux Venise. à Venise, Tu sais, on a eu ouais. des Il y a problèmes. eu des galères, on devait passer 4 jours, on a passé 3 jours à peu près, parce que l'avion avait été. Enfin, il n'y avait pas d'avion pour nous faire partir, donc on a quand même bénéficié d'une nuit d'hôtel. Bon, on s'est fait rembourser la moitié, c'était finalement très bien, mais ce week-end était un peu bizarre. Mais c'était là que t'as eu l'idée, je pense donc que Je t'as sais pas, commencé. je sais plus. Mais en tout cas, dès qu'on À est partir rentré, de ça. on a créé un compte Instagram, sachant que moi j'aime bien la photographie, que Isabelle est étudiante en mode. Moi, je suis dans le marketing, donc le web marketing m'intéresse également. Et de manière générale, créer en fait. Donc, on s'est dit, tiens, on va créer un compte en couple. Un compte de Yes. couple, Isaju, donc, suivez-nous. Oui.
Et bah, ça fait depuis 2017. 2017 qu'on a cette compte. On partage des photos de notre amour, de notre moment qu'on passe ensemble, des restaurants qu'on Quotidien de aime, couple. les voyages qu'on a fait. Les bons plans, Bah, enfin. on partage vraiment toute notre vie en amoureux. Du coup, si vous êtes intéressé et voulez avoir découvert notre photo, allez nous suivre. Suivez-nous. Nous sommes Isa et Jules là-bas aussi. Et on s'était dit, ça faisait un moment aussi qu'on se disait, ok, c'est super, on a notre compte Instagram, on a un site également sur lequel on publie occasionnellement des articles. Mais on est tenté aussi de se lancer sur YouTube. Et c'est pour ça Et c'est pour ça qu'on a créé qu'aujourd'hui, cette on est vidéo. là et on veut partager plus de choses C'est ça. de nous avec vous. Vous montrer davantage les choses, non pas juste une photo figée, mais peut-être plus notre quotidien, justement. On a des idées de vlog, on a des idées de plus de cette Des fois-ci conseils. de conseils, approfondir des sujets. Et s'il y a un thème que vous voudrez qu'on développe ou Commentez, que... Oui, dites-nous tout dans les commentaires. et Et voilà. abonnez-vous. On se dit à très très vite pour une seconde vidéo. Oui, Et et on se voit à prochainement. bientôt. On vous envoie plein de Ciao. bisous. Ciao.